Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouveau programme pectoraux. Ouais, je fais ça parce qu'on voit le micro. Hey, c'est trop bien ça, tu vois. Bon, ça sert à rien. À la base, ça sert pas à mettre un micro, mais je sais pas, et je suis bien avec. D'accord? Il me fallait un support micro, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai un, ok? On va sur un programme pectoraux avec haltères à faire à la maison, d'accord? Donc, prépare ton meilleur haut, prépare ton tapis. Prépare tes haltères et ta bouteille d'eau et on va faire ça bien. Là, on va commencer tranquillement avec du développé couché en normal avec hop du serré. Ok? On prend les haltères fou et on fait en 10-10. Ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. On serre les haltères et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Pose les haltères. On démarre le chronomètre. Le chronomètre, je l'ai mis un peu loin parce que c'est sur mon iPad Pro. Et si jamais je shoote l'iPad avec les haltères, je pleurerai. Parce que ça sera la fin. En repos, de toute façon, c'est comme je t'ai dit, hein, c'est entre 1 minute et 1 minute 30. 1 minute 30, c'est le grand max, tu vois, c'est le grand max. Laisse ton corps se reposer tranquillement et on va repartir pour faire les choses bien. Là, ça va, c'est les pecs, c'est pas très lourd. Le travail va dépendre de ta charge, mais bon, ce qui est mieux. C'est d'avoir deux haltères, tu vois. Une haltère un peu plus lourde et l'autre beaucoup plus léger pour finir. Mais si t'es dans mon cas, on a juste une seule paire d'haltères à la maison. On peut pas faire ça, d'accord? Donc on prend une charge plutôt moyenne. Moi ça va, j'ai 14 kilos, donc ça va. Hop. On a 1 minute. On va repartir tranquillement. Allez, c'est parti. Une, deux, trois. 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part sur la prise serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ok. On est bien. Deuxième série validée. On met le chrono tranquillement. Et on se repose. Ce qui est bien avec les exercices de type développé couché, c'est que je suis allongé. Et je suis bien quand je suis allongé. Le dos est bien posé contre le sol. On fait les choses bien. Ok? Là, c'est plus je suis debout comme les bras et tout. Là, je suis bien. Personnellement, je suis bien. Ok, on a 23, ça va, le temps, il passe pas trop vite pour l'instant. Donc, on va faire les choses bien. Oh. J'ai pas encore bu. Je prends une gorgée, pas plus. Et ouais, là, on va arriver à 50. Hop, c'est bon, je suis chaud. Troisième série, on fait pareil, on fait les choses bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Prise serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Là, ça commence à piquer un peu. Hop. Le chrono est lancé. Oh, on se repose tranquillement. Ah ouais. Là, je sens que la congestion commence à venir au niveau des pecs. C'est incroyable. Ouh. Là, on n'est plus sur le bas et le milieu des pecs, d'accord? On n'est pas sur le haut des pecs. Donc là, bas, milieu des pecs. Toujours.
Comme je t'ai dit, pour travailler le haut des pecs, il est préférable de se mettre sur un banc incliné, d'accord? Parce que tu peux pas travailler les pecs sur un, enfin sur le haut des pecs sur un banc droit. Sinon, faut vraiment monter les épaules et faire ça. Mais quand tu fais ça, le problème c'est que ton avant des épaules est plus engagé que ton haut des pecs. Et si tu as des grosses épaules et tu as tendance à prendre facilement sur les épaules, c'est mort. Hop, on arrive à 1 minute 57. Ok, très bien. Dernière série, on fait les choses bien. Et l'exercice 1 sera validé. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, hop, 7, 8, 9 et 10. Hop, ça les haltères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. On prend 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va partir sur de l'écarté tranquillement avec du développé couché en prise neutre. Ok. Pareil, 10-10, on va faire les choses bien. Position de départ en haut et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faut que ton triceps il touche le sol. On reste en prise neutre comme ça et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, temps de repos, tranquillement. Comme je t'ai dit, 1 minute ou 1 minute 30. Par contre, pour les écarter, il se peut que ça soit un peu dur. Donc, baisse la charge. Moi, ça va. On est bien à 14 kilos. Mais baisse la charge si tu sens que c'est trop chaud. Les écarter. Oh. Mais ça va, pour l'instant, j'ai pas soif. Ouais, mais on va quand même boire. C'est important de boire. Prendre la gorgée symbolique. Oh. 36, 37. Ok, on est bien. On est bien, on récupère bien. Et on va repartir. Parce que tu vois, dans les exopecs, quand tu combines deux exercices, tu fais des biceps. Ça t'aide à bien développer, bien détruire, bien massacrer et choquer le muscle. C'est important, faut choquer son muscle. Ok, bon, là on arrive à la minute. On va repartir tranquillement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on descend bien bas. 4, allez. 5, 6, les haltères ne se touchent pas. Allez, 7. 8, allez, 9 et 10, on reste en l'air, on se met en prise neutre et 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, très bien, pose délicatement, hop, on balance le chrono. Oh. Ça, c'est des séances rapides, simples et efficaces qui t'aident vraiment à bien évoluer, bien progresser et construire. C'est très important, faut construire. Là, on est à la maison, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'est pas en salle de sport, on a nos haltères, on peut quand même évoluer avec nos haltères. Donc, on va faire tout notre possible, on va faire les choses bien pour avoir un corps avec ces haltères. Ok, ok, là, il est 30, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oh. Je verrai si je ferai. Si je referai un défi 1000 pompes. Parce que c'était pour mes 1000 abonnés, les 1000 pompes. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, 2000 abonnés, 2000 pompes. Mais le problème, c'est que. Dès que j'ai fait la vidéo des 1000 abonnés, je voulais plus faire ça. J'ai dit, c'est bon, c'est fini.
Et 3 mois après, je gagne 1000 abonnés de plus. C'est un truc de fou. Les gens, ils veulent me tuer. Allez, on y va. Tranquillement. Troisième série. Hop. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. On va chercher. 6. 7. Allez. 8. 9. Et 10. Très bien. On se met bien en prise neutre et on y va. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Ouh. Alors, je sens que ça fait mal. Là, non, on rigole plus. Faites plus de blagues, c'est fini, ça fait mal. Oh. Oh. Là, je reprends les petites vidéos programme comme ça parce que, pas te mentir, c'est les vidéos qui sont le plus vues de la chaîne, qui sont vues les plus longtemps parce que comme, voilà, je fais un programme, on va dire en direct, bah, certaines personnes le suivent avec moi, tu vois, et je le vois dans les stats, ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, la première fois que j'ai fait ce genre de vidéo, je savais que ça allait aider des gens, mais je pensais pas que il y aurait eu autant de monde qui aurait suivi ce programme et qui demandait une suite ou de la difficulté un peu plus. Donc là, cette difficulté, je la porte, tu vois. Mais après ça, si tu demandes plus dur, faut vraiment que tu survives, tu vois. Là, c'est des entraînements torse nu qu'il y aura. Parce que là, tu vois, là, j'ai mis un petit pull de pêcheur tranquillement. Mais la prochaine fois, enfin, si tu demandes plus difficile que ça, là, c'est entraînement, là, on sera en slip, là. Ok, allez, dernière. Hop. On y va. Une, va chercher bien bas. Très bien. Deux. Allez. Trois. On y va. Quatre, c'est rien. Cinq. Allez. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. On se met bien en prise neutre. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On pose délicatement les haltères. On prend 2 à 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Hop. Le chrono, c'est bon. Dernier exercice. Celui-là, normalement, il va te tuer. On va faire ça, on va faire du développé couché en unilatéral. On va faire hop, 1, 2, jusqu'à 10. Et juste après, bam, jusqu'à 10. Ok? On va faire les choses bien. T'es prêt? Hop, je regarde, j'ai bien lancé la vidéo. Et on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, pose pas tes coudes au sol, allez, 7, 8, garde une légère tension, 9, et 10, et là, on pose les coudes au sol, on se place bien, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, voilà, ça me fait du bien là, chrono, 1 minute à 1 minute 30, tranquillement, et on va repartir. Oh. Là, je sens bien épais, je suis bien. Je suis bien. Oh. Mais vraiment, si t'as pas l'habitude, 10 minutes et charge, vraiment 10 minutes. En vrai, ce programme, je dis que c'est pour les personnes avancées, mais tout dépend de la charge que tu as utilisée. Si j'avais été au poids de corps, d'accord, mais là, on a des charges, donc c'est pour tout le monde. Mais si tu commences, il se peut que ça soit dur. Ouh. Mais si t'arrives au moins là, c'est que t'es un soldat. Bon, on arrive à 50, tranquillement, on est prêt, on est chaud. On va repartir, comme je t'ai dit, moi mon temps de repos il est plus court, parce que je récupère vite. Mais si toi t'as envie de prendre 1 minute 30,
c'est le maximum que tu peux faire. On y va. Une, deux, hop, trois, un, quatre, cinq, six, sept, hop, huit, neuf, dix. Oh, pose les coudes au sol, tranquillement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9 et 10. Oh. Ah ouais, là. Même mes épaules sont congestionnées, c'est incroyable. Mon avant d'épaule, il est en train de prendre un peu dans cet exo. On va essayer de plus. Hop. Poser les omoplates au sol pour mieux sentir les pecs. Oh. On va boire un peu aussi. Comme j'ai toujours une gorgée ou deux, que tu sois à la maison ou en salle, pas la peine de finir ta bouteille, tu vas finir après ta séance. Tant que ta séance n'est pas finie, une gorgée ou deux, c'est largement suffisant. Oh. On a combien? 45. Eh, le temps il passe vite là maintenant. Maintenant que j'ai mal, ça passe vite. Bon, là on va attendre une minute, je laisse 10 secondes. Tranquillement, et on va repartir. Ok, 58, très bien. Allez, on est sur la fin, on fait les choses bien, et on va chercher ses reps, d'accord? On y va. 1, allez, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh, celle-là m'a fait mal. Oh, celle-là, je l'ai bien senti. Il nous reste une dernière, d'accord? T'arrives à partir de là, t'as pas le droit d'abandonner. Si t'as mal, si t'as trop mal, si je m'en fous, je veux que tu fasses cette rep. Tu vas pas chercher la blessure, bien évidemment, mais je veux que tu la fasses. Si t'as la possibilité de baisser en charge, parce que t'as plusieurs poids, tu peux profiter de ce repos-là pour baisser en charge tranquillement, mettre plus léger, c'est la dernière. Mais je veux que tu fasses les choses bien, d'accord? On n'a pas le choix. Si on veut progresser, faut se faire mal en musculation. Je l'ai toujours dit et je te le dirai toujours. Je te ferai toujours chier avec ça. Ça va, on arrive à 40. Ça va. La dernière va faire mal. C'est pas pour autant qu'on va se reposer un peu plus. 50. Ça va, c'est bien 50. On va partir dans 10 secondes. 58. 59. Ok, c'est parti. Là, on donne tout. C'est la dernière. On fait les choses bien. Je veux que tu envoies, d'accord? Allez. Oh. Fais les choses bien. On lève un peu les coudes. Et hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. Allez. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. C'est pas fini. C'est la dernière, on en voit bien. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh, putain. Enfin, cette séance est finie. Fou, je suis un fou. J'ai remis le chrono comme si j'allais encore partir. Mais c'est fini là, c'est bon. Tu prends 2 à 3 minutes de repos, tu restes couché tranquillement, d'accord? Tu souris et après tu pourras te rincer tranquillement parce que la séance est terminée. Donc voilà pour cette séance, on a fait 3 exercices en biceps pour les pectoraux. Tu vois, là on n'a pas fait d'exercice simple,
on est allé chercher, on est allé construire, c'est important. Cette année, on va construire du muscle. En 2020, voilà, on a fait quelques exercices simples, tranquilles, on a rigolé. Non, on rigole plus. Là, on construit, ok? Si t'aimais cette vidéo, mets un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Si tu vois un programme précis, dis-le-moi, dis-moi, dame, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses un programme plus dur pour les pecs. Je vais le faire, tu vois, je vais le faire. Cet espace est bien, on l'a bien exploité, mais il y a plein de choses à faire, d'accord? Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.